Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, Diamond Painting, mais pour vous présenter, pas Fifi, vous la connaissez, mais pour vous présenter un nouveau kit que j'ai acheté dimanche. Voilà, oui, le dimanche, j'achète des Diamond Painting. Je l'ai acheté sur le marché, voilà, en Belgique, donc près de chez moi. Moi, je suis en France, mais je vais le dimanche au marché en Belgique. Et je savais qu'il y avait déjà un vendeur qui vendait des Diamond Painting sur le marché parce qu'il avait mis des annonces sur Facebook comme quoi il serait présent. Et j'en avais déjà vu un, donc c'est celui-là qui passait les annonces. Donc dimanche, quand on avait été pour faire une course, j'avais dit on ira voir, voilà, ce qu'ils proposent. J'avais vu à peu près les prix, bon, c'était raisonnable. Et donc, je suis tombée sur un premier vendeur, enfin, je vous dis un premier vendeur parce que je vais vous expliquer, qui avait donc des Diamond Painting. Et donc, j'ai fait mon choix. Toujours dans la tête en pensant que c'était le vendeur que j'avais vu sur Facebook, mais non, c'était un autre, voilà, c'était un autre vendeur. Et donc j'ai acheté un kit à lui. Bon, c'est tout, on a continué à faire nos courses. Et donc à la fin du marché, on a vu le vendeur qui faisait sa publicité donc sur Facebook. On a vu, j'ai vu que les boîtes, hein. J'ai pas voulu regarder plus loin. J'ai vu que les boîtes de Diamond Painting. Pas top les boîtes. Elles étaient un peu écrasées. On aurait dit qu'ils avaient balancé dans tous les coins, j'en sais rien. Donc j'ai même pas voulu regarder. Et en fin de compte, il était plus cher que celui où j'ai acheté mon Diamond Painting. Donc celui qui faisait sa pub sur Facebook, j'ai pas insisté, j'ai même pas regardé ce qu'il vendait, j'ai pas regardé les modèles. Donc voilà. Donc je vais vous faire découvrir le modèle que j'ai acheté donc dimanche. Voilà. Alors je vous montre la boîte déjà. Voilà. Donc. Et là, la boîte est impeccable, il n'y a pas de problème. Voilà, elle est nickel, nickel chrome. Alors, là, c'est marqué que c'est importé de Anderlecht. Voilà. Bon, là, Anderlecht, ça doit être le gros fournisseur, hein, je pense, mais bon. Mais de toute façon, les Diamond Painting, on sait tous d'où ils viennent. Hein. Voilà. Alors, on va l'ouvrir. Bon, j'ai déjà regardé, hein, bien sûr. Hop, voilà. Je vous montre la photo du modèle après. Alors, à la base, je croyais que c'était des perles carrées. Bon, le monsieur qui les vend s'y connaît pas encore trop en Diamond Painting. Il débute. Voilà. Il débute vraiment. Donc, il connaît pas encore vraiment. J'y vais parler un petit peu avec lui. Et on voit qu'il commence vraiment à... C'est ses premiers Diamond Painting qui vend. Donc bon. Mais la personne est très très aimable et tout. Donc il n'y a pas eu de problème. Du coup, au début, je pensais que c'était avec des perles carrées. Mais non, c'est des perles rondes. Bon, je l'ai vu. Bon, j'ai vu en rentrant chez moi. Parce que je ne voulais pas tout déballer sur le marché non plus. Et puis moi, ça ne me gêne pas là qu'il soit du coup en perles rondes. Bon, en ce moment, je suis dans ma période un peu perles rondes. Et en ce moment avec le cheval blanc, qu'est-ce que j'ai fait en perles rondes? Je sais plus. Mais en ce moment, c'est vrai que je commence à faire un peu plus souvent des perles rondes. Voilà. Alors, c'est un DP qui fait 50 sur 60. Voilà. Il y a alors, 20 couleurs
Et donc, vous allez me dire, Edith, tu avais dit que tu faisais pas de noir, que tu n'aimais pas le noir. Oui, je n'aime pas le noir. Mais là, bon, c'est vrai que comme c'était des perles rondes, et je vais vous montrer l'impression du DP, je me suis dit, même mon mari, bon, qui était avec moi, il m'a dit, maintenant, tu as ta tablette lumineuse, donc ça ne devrait pas poser de problème. Et bon, et je pense qu'il a raison. Et là, quand j'ai vu l'excellente impression qu'il y a pour le kit, je me suis dit oui. Bon, je pense que ça devrait le faire. Voilà. Alors, je vais vous montrer le dessin comme ceci. Alors, la protection est transparente. Donc, je vais pouvoir vous montrer directement. Le voici. Une japonaise. Ouais, j'ai craqué dessus, elle était trop trop belle. Il avait d'autres modèles aussi de japonaises. Donc je me dis peut-être qu'après, par la suite, je prendrai peut-être les autres. Attendez, parce qu'il y a ma télé qui reflète dedans. Ouais, elle est vraiment super belle. Donc vous voyez, il va y avoir du noir. Donc là, en référence, j'ai dit 20 couleurs et j'ai bien les références DMC, hein, pour les couleurs. Je vais profiter pour vous montrer l'impression. Alors, je vais tirer un petit peu le plastique, hein, on verra mieux. Voilà. Vous voyez? Niveau impression, il n'y a vraiment pas du tout. J'espère que ça ne floute pas. Attendez, hop. Et puis avec ma télé, voilà. Et niveau de l'impression, il n'y a vraiment pas de problème. Bon, voilà. Alors, avec, bon, j'ai le petit plateau, hein, comme d'habitude, le petit carré de cire, le petit stylet rose. Et j'ai les perles. Alors, attendez, je vais mettre le kit de côté. Alors, je vais essayer de vous montrer l'image que ça donne une fois fini. Alors, j'espère que vous verrez bien. Alors, hop, parce qu'elle est là. Oh, hop, si je ne vous montre pas. Voilà. Voilà, vous voyez. Une fois terminé. Là, en photo, on voit bien. J'ai craqué quand je l'ai vu. Elle est trop trop belle. Malgré qu'il y a eu du noir. Donc là, j'ai toutes les perles. Bon, alors, c'est un grand chapelet. Il y a deux chapelets. Alors, en noir, je vais vous dire, ben 310, hein, le noir, hein, 410. Ouais. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 paquets bien remplis. C'est ça, il n'y en a pas d'autres. Non, non. Voilà. Donc, en noir, voilà, j'ai 1, 2, 3, 4. Et simple. Et vous voyez, c'est vraiment des paquets très très bien remplis. Je vais m'amuser. Youpi! Donc sinon après voilà, donc il y a du marron. Comme ça. Ouais, c'est quand même des couleurs tout à peu près. Bon, il y a quand même des clairs, hein, heureusement. Alors ici. Du vert, du rose. Ah, là, j'ai une perle noire qui se promène dans le rose. Bon, c'est rien, c'est pas grave. Là, un jaune clair, un marron. Et ici, une couleur un peu corail, du gris, un bordeaux. Alors ça, c'est pas du noir.
ça, on dirait un vert foncé, voilà. Couleur cacao, moi j'appelle ça marron, encore un marron. Là c'est tous les tons marron, voilà. Bon, j'ai quand même beaucoup de couleurs foncées, mais bon. Mais le modèle m'a vraiment beaucoup plu, donc j'ai dit tant pis, je le prends. Mon mari m'a dit vas-y, de toute façon, c'est vrai qu'avec la tablette, normalement ça devrait aller. Et au lieu de le faire le soir, je ferai la journée, sinon je verrai. Hein. Je rajouterai une lampe en plus au-dessus et puis ça y est. Donc voilà, je vous le remontre. Donc voilà, alors donc pour celles qui habitent par chez moi, c'est au marché de Bossu, donc en Belgique. Et ce vendeur est à l'entrée du marché de Bossu. Voilà. Il est à l'entrée. Alors quand on rentre, il est sur la. Ouais, sur la gauche. Voilà. Mais je referai peut-être une vidéo après, plus tard. On en reparlera certainement. Donc ce kit chez lui m'a coûté 15 euros. Donc ça va. Je trouve pas ça énorme. Hein, bien sûr, c'est toujours plus cher que chez AliExpress. Hein, mais bon, ça va, 15 euros, c'est pas la mer à boire. Et puis je pense qu'il va être très joli, donc voilà, j'ai hâte de pouvoir le faire. Bon là pour l'instant j'en ai celui-là à finir, hein. Là je continue aussi le cheval blanc et après le cheval blanc, ben, je pense que je pourrais commencer celui-là, voilà. Je réfléchis dans les kits que j'ai d'avance en haut pour connaître, pour savoir dans quel ordre je dois les faire, mais bon, on verra. Donc de toute façon, dès que je commencerai, je ferai comme d'habitude en vidéo pour que vous puissiez suivre l'évolution de ce nouveau tableau. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, nouvelles vidéos et plein de belles choses. À bientôt, bisous bisous.